Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teamate pour un nouveau tutoriel gratuit sur Photoshop. Aujourd'hui, je vous propose de créer un nouveau CV avec Photoshop. Euh, donc, on en a déjà créé deux auparavant il y a quelques années. Donc voilà, j'essaye de faire un, un nouveau design par an de CV. Puis ça tombe bien, là, les cours se terminent bientôt. Euh, donc, il y en a certainement plusieurs, euh, plusieurs d'entre vous qui vont, qui vont essayer de faire des démarches hein, pour euh, trouver un employeur. Donc voilà, un tuto euh, graphique. Euh, où vous pourrez mettre vos, vos compétences hein, sous forme de barres de, barre de skill et puis euh, toute la hauteur d'une feuille A4 qui pourra vous, euh, vous servir pour insérer de vos expériences professionnelles et vos formations professionnelles. Voilà tout de suite pour commencer le tuto. Allez, c'est parti, je vous propose de commencer le tutoriel sans plus attendre. Alors, comme d'hab, avant toute chose, je vais vous demander de télécharger le fichier source. Hein, vous trouverez le lien en bas de la vidéo. Une fois que vous avez téléchargé et dézippé ce fichier, vous allez euh, avoir trois dossiers un dossier fonte, on va se servir de la fonte lavandaria et de la roboto. Alors, tant qu'à faire, hein, moi je vous ai mis carrément le, le pack de police avec toutes les graisses différentes. Il n'y a que deux polices en réalité, mais euh, en fait, il y a beaucoup de graisses. Notamment, euh, c'est valable voilà, pour la Roboto. On va avoir un dossier image avec pas mal d'icônes qui va nous servir donc euh, du coup à constituer l'iconographie du CV et un petit pack de textures aussi pour apporter un petit peu de grain au, euh, au design du, euh, du curriculum vitae. Donc, euh, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est installer les polices. Donc comme d'hab, on ouvre le disque dur dans Dossier bibliothèque et dans le dossier fonte, vous l'ouvrez, vous sélectionnez toutes les polices et vous les glissez à l'intérieur. Donc si vous êtes sur PC, vous ouvrez le panneau de configuration et normalement vous avez un dossier police. Et euh, bah, vous pouvez faire exactement la même chose, hein, tout sélectionner et glisser tout à l'intérieur. Donc c'est parti, on ouvre Photoshop et puis on va créer un nouveau document. Alors je vous rappelle le raccourci clavier pour créer un nouveau document, on appuie sur Commande et N. Donc là, on peut cliquer sur Paramètres Prédéfinis et au niveau de Personnaliser, on va directement se positionner sur Format Papier International, puisque généralement, quand on fait Insérer un CV, on est sur une taille de type A4. Au niveau donc, de la largeur, on est bien sûr du 21, hauteur 29,7, donc 210 par 297. Et au niveau de la résolution, on peut se laisser en 300. Surtout, bah, si vous voulez imprimer le, chez, le CV chez vous, euh, vous aurez quand même une bonne définition euh, lors de la sortie d'impression. On clique sur OK. Et puis, bah, on va pouvoir commencer. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les règles pour marger le, le CV, puisqu'on va utiliser une colonne de gauche qui va nous servir à insérer notre photo, notre nom et puis quelques infos complémentaires. Et la colonne de droite va nous servir à euh, bah, insérer nos expériences professionnelles et puis nos formations. Si vos règles ne sont pas affichées, je vous rappelle le petit raccourci clavier. Vous appuyez sur Commande R ou Contrôle et R, hein, tout simplement pour les afficher ou pour les masquer. Donc on vient prendre un repère dans euh, la colonne de gauche ici et on va venir le positionner à 800 pixels à peu près. Donc pour être plus précis, je vous conseille de zoomer un petit peu puisque là vous voyez on est à 25% au niveau de l'affichage. Donc on peut se mettre à 50%. Après ça dépend aussi de votre résolution d'écran. Et on va essayer donc de se positionner à peu près hein, à 800 pixels. On est à peu près bien. Donc voilà comme je vous disais une marge à gauche pour nos informations complémentaires et une marge à droite pour nos expériences et formations. On va essayer d'être méthodique, créer des dossiers, euh, bien nommer les calques hein, pour, euh, pour s'y retrouver. Donc on va commencer par créer un dossier. Donc le dossier, on va l'appeler sidebar, pour la colonne de gauche. Et à l'intérieur, on va créer un nouveau calque. Je vous rappelle, pour créer un nouveau calque, on peut appuyer sur Command Shift et N ou Ctrl Shift et N. Et puis on va le nommer... BG pour background et on l'appelait vert puisque euh, on va commencer par créer un fond vert. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est prendre notre outil rectangle de sélection. Voilà, ou vous pouvez très bien aussi utiliser euh, l'outil rectangle comme ceci, peu importe. Après ça dépend si vous voulez changer la couleur, c'est peut-être mieux de l'utiliser. Et on va venir cliquer n'importe où sur le document. Donc on fait juste un clic et on va lui spécifier une largeur de 800 et une hauteur de 800. Pourquoi Puisque euh, vous vous rappelez, on a fait un repère de euh, à 800 pixels. Donc là on fait tout simplement un petit carré. On peut venir changer sa couleur hein, au, euh, à ce carré. Tout simplement en double-cliquant dessus. Donc là on a le sélecteur de couleurs qui s'affiche. Au niveau de la valeur en bas, ici hexadécimal, on va pouvoir spécifier 81 C D D1. Après, libre à vous de mettre une autre couleur. Hein, et vous validez en, en faisant OK. Donc là on essaye de se positionner à peu près comme ça. Hein. On, le, on met l'angle en haut à gauche du carré, vraiment dans le coin gauche de notre document. Et dans ce qu'on peut venir faire, c'est faire un petit coup de CTRL-T ou de CMD-T pour lui appliquer une petite transformation. On va venir appuyer sur commande ou CTRL et on va venir descendre légèrement notre point ici en bas à gauche. On peut lui spécifier une, à peu près 7 degrés d'inclinaison et on relâche outil flèche on reprend l'outil flèche vous faites entrer et vous cliquez sur appliquer parfait donc maintenant on va pouvoir retourner dans notre dossier source et puis on va venir cliquer sur photo.jpg on va pouvoir faire un clic droit ouvrir avec Adobe Photoshop. On fait OK. Donc là on a une photo de, euh, de bonne qualité. Euh, Généralement, ce que je fais, puisque là on va faire un arrondi, on va se on va casser un petit peu les tendances hein, d'insérer une, une, une photo d'identité type rectangulaire. Là, on va venir prendre notre outil ellipse. Donc, vous restez cliqué hein, sur l'outil rectangle de sélection, vous prenez l'outil ellipse, et là vous allez vous mettre dans le coin ici en haut à gauche. Vous cliquez, vous appuyez sur Shift pour faire un cercle parfait. Et là, vous essayez de faire une sélection à peu près comme ceci. Après, vous pouvez descendre un petit peu, vous voyez, au niveau, avec les, à l'aide des touches directionnelles, pour essayer de centrer à peu près euh, la tête de la jeune fille, là, comme ceci par rapport à la sélection. Quand vous êtes à peu près OK, bah, vous faites Ctrl-C pour copier ou Cmd-C pour copier. On retourne dans notre document, et là, on va venir coller en faisant Cmd-V ou Ctrl-V. Donc là bien sûr on a une photo qui est un petit peu grosse, donc on va pouvoir venir la, la réduire. Alors je vous, je vous rappelle pour réduire une photo proprement, on a juste à appuyer sur commande T, appuyer sur Shift, on prend un angle et on vient la réduire. On va essayer de se positionner à peu près à, 200, à 425. On fait entrer pour valider et on se place dans un premier temps à peu près comme ceci. On va essayer de marger un petit peu notre colonne de gauche. On va faire des marges à 115. Donc on peut prendre un repère ici à gauche, le positionner à peu près à 115 et on va faire la même chose de l'autre côté. Alors ce que je fais généralement c'est que je prends l'outil rectangle de sélection. Je, me, je fais un, un rectangle de 115 pixels de large, à peu près. Je prends mon outil, enfin mon, un repère à gauche, et je viens le positionner hein, directement sur ma sélection ici. Comme ça, je sais que je suis à 115. On peut venir donc, changer l'appellation de calque 1, hein, on va l'appeler photo. Et pour voir si vous êtes bien centré par rapport au BG vert, au fond vert, vous appuyez sur « Commande » et vous passez votre souris, vous voyez, sur le fond vert. Donc ça, c'est les nouveautés hein, de, de, des versions CC de Photoshop. On voit qu'on est à peu près bien. Donc si on était... Euh, voilà, si on, avait déplacé, si on déplace un petit peu le, la photo à gauche et qu'on appuie sur « Commande » ou « Contrôle », Là vous voyez qu'on a 143 ici à gauche et 232. Donc on donne des petits coups de flèche directionnelle pour essayer de bien se centrer par rapport donc au calque vert. À peu près. Donc là on a 187, 188, c'est pas trop mal. Au niveau de la hauteur, hein, on, peut, euh, on va pas forcément euh, marger tout ça. On essaye de se positionner à peu près comme ceci. On va lui appliquer un contour à cette photo. Donc, pour ce faire, on vient double cliquer sur photo et on va venir cliquer sur Contour. Au niveau de la taille, on peut se mettre en 5 ou même en 7. Et on va venir cliquer au niveau de la couleur ici et on va se positionner en blanc, donc en blanc, vous vous mettez vraiment en haut à gauche. Vous faites OK, OK. Et maintenant on va pouvoir insérer notre nom. Donc pour ce faire, on vient cliquer sur le sélecteur. On peut se remettre en noir et blanc. Vous vous mettez en blanc au niveau de la couleur de premier plan. Vous prenez, vous prenez l'outil texte et vous cliquez n'importe où dans le document. Donc je vais taper amon Elisa. Et là, si on fait commande A. Pour tout sélectionner et commande T, vous voyez que vous pouvez afficher ou masquer l'onglet caractère. Pensez bien à tout sélectionner, faire commande ou contrôle T pour afficher les caractères. Ici vous avez juste à venir rechercher la police l'avant de RIA ou sinon vous tapez directement hein, l'avant de RIA et il vous le trouve. Alors vous avez le choix d'utiliser différentes graisses. On va pouvoir utiliser la euh, sturdy, si je dis pas de bêtises, qui a une graisse quand même euh, un peu plus importante. Ou si vous voulez jouer avec la graisse, vous pouvez laisser euh, le nom de famille en gras et puis le prénom, vous pouvez vous mettre en régular. Voilà. Donc là, ça fonctionne pareil. Hein. Si vous euh, faites commande et que vous, vous placez sur la souris sur le BG vert on va pouvoir venir se centrer à peu près hein, par rapport à notre fond. Là on est à peu près bien. Libre à vous d'insérer en dessous l'intitulé de votre poste par exemple. Donc on aurait peut-être dû le mettre avant puisque là on va faire une touche, on va appuyer sur Entrée pour faire un retour à la ligne. Et on va taper designer graphique. Et on ne va pas se laisser en lavant On va venir sélectionner tout ça. Et on va venir se positionner en roboto. Donc après, à vous de choisir la graisse. On peut se mettre en régular, hein, ça me paraît euh, pas trop mal. Et peut-être se mettre en 50. Et au niveau de Amon Elisa, vous pouvez peut-être augmenter, vous mettre à 100 ou 120. 125. Allez, on va se mettre en 125. Et si vous voulez gérer l'interlignage, donc l'espacement entre ces deux lignes, eh bien vous sélectionnez tout ça, là vous voyez que je suis à 80 au niveau de l'interlignage, libre à vous de descendre, de vous mettre à 100. Je trouve que 80 c'est pas mal. Donc je vais laisser à 80. Au niveau de la couleur ici de Designer Graphique, on peut peut-être la changer, hein, se mettre dans une couleur un peu plus sombre. Euh, là, j'ai bien envie de mettre. Donc, je vais cliquer sur Couleur et je vais me mettre en 2D 373D. Donc, un bleu, on va dire, euh, assez foncé. Hein. Un bleu nuit très foncé. Et on valide. Vous pouvez changer peut-être la graisse, hein, vous mettre en light, ce serait peut-être plus sympa. Voilà. Donc, ok pour notre euh, nom de famille. Là, vous voyez que je suis centré. Donc, si je redouble clic sur mon calque, si je vais dans paragraphe, je suis centré. Peut-être que vous vous êtes pas du tout centré, donc n'hésitez pas à vous recentrer comme ceci. Donc, on va pouvoir passer à la suite. Donc, n'hésitez pas aussi à faire des petits coups de contrôle moins de commande moins, enlever les repères en faisant commande H pour y voir un petit peu plus clair. Donc, on aurait très bien plus se positionner sur le calque photo, le remonter un petit peu et notre nom de famille, notre poste. Hein, pareil, remonter ça un petit peu à coup euh, à l'aide de, de, de coups de flèche directionnelle. Donc là, c'est pas mal. On va venir Récupérer la couleur de designer graphique. Hop. donc ce que je fais, c'est je me repasse, je me repositionne sur designer. Dans les caractères, je reclique sur couleur et je viens récupérer en fait ma couleur ici. Je fais Ctrl C. Et là, je vais venir créer un nouveau rectangle. Donc j'utilise l'outil rectangle. Je vais me positionner sur le BG vert ici et à limite, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les repères. Je peux re zoomer un petit peu. Et je vais recliquer. Je fais un clic n'importe où sur le document. Et je fais OK. Donc je me laisse 800 en largeur, en hauteur, peu importe, puisque je vais pouvoir venir modifier tout ça. Au niveau donc, de la couleur, on peut directement venir la régler ici, ou en double-cliquant sur le rectangle. Et je viens coller ma valeur hexadécimale. Et je fais OK. Donc là, on vient se repositionner, hop, à peu près comme ceci. On va l'appeler BG euh... noir. Même si ce n'est pas trop noir, <laughs> vous mettez ce que vous voulez. On le met en dessous du BG vert. Et là, un petit coup de contrôle T. On va venir étirer notre rectangle jusqu'en bas. Et on valide. Donc là, ça me paraît très bien. On continue. On va venir utiliser... Maintenant le, les icônes. Mais avant ça, on va venir créer notre première puce. Donc pour créer une puce, hein, on va utiliser l'outil ellipse. On va cliquer n'importe où sur notre document. Et on va faire une puce. Alors on va voir, on va essayer de se mettre en 50 par 50. Est-ce que c'est assez gros C'est peut-être pas assez gros. Au niveau des propriétés, ici, vous pouvez vous mettre peut-être à 80 par 80. Allez, on se met en 100 par 100. Soyons fous. Et on va la positionner tout en haut. Et on va l'appeler puce. Généralement, vu qu'on va la dupliquer plusieurs fois ce, ce modèle de puce, euh, je mets une couleur, donc là par exemple en rouge, hein, pour euh, donc un, une sorte de marqueur pour, euh, pour la retrouver facilement après dans mes calques. On vient double-cliquer dessus et on va se mettre en blanc et on fait OK. Donc là on peut venir se positionner à peu près comme ceci. On peut réafficher les repères et on va se euh, on va caler la puce en fait sur notre repère ici à gauche. On ouvre notre euh, dossier source et là on va venir sélectionner le la 1176.png et on va venir la glisser à peu près ici. Donc là, donc cette puce, elle est un, un petit peu euh, un peu spéciale du fait euh, qu'elle a déjà, vous voyez, un, un arrondi. Donc en fait, on va peut-être se, plutôt se baser sur sa taille à elle. Donc on va se positionner ici. La puce, on peut la descendre un peu plus bas. Hein, on s'en fiche. Et là, on va renommer ça en info ou en ICO. Info. Voilà. On double clique sur icône Info, incrustation de couleur. Et là, on vient se mettre en blanc. On fait OK. OK. Parfait. On prend notre, euh, notre outil texte et on va venir cliquer à côté de l'icône. On va venir taper "À propos". On sélectionne tout ça. On en commande A ou contrôle A. On se remet dans les caractères et on vient taper la Vandaria et on se remet hein, dans la police la plus grasse. Au niveau de sa taille, on peut peut-être euh, se mettre en sang. Et au niveau de sa couleur, on vient cliquer sur couleur et on vient récupérer le vert avec la pipette du bloc du haut. Donc là, on essaye de se centrer à peu près, vous voyez, par rapport au milieu du i. Hein. On est à peu près bien ici, donc n'hésitez pas à vous aider des touches directionnelles. Et voilà. On reprend notre outil texte et on va venir, tout en gardant le clic enfoncé, créer une sélection. Grande comme ça, à peu près. On cède en fait des deux repères. Donc là, je vais taper n'importe quoi, je vais tout sélectionner, je me remets en justifié à gauche. Au niveau de la couleur, je vais mettre en blanc. Et je vais utiliser donc la Roboto. On peut peut-être se mettre en régular. Voilà. Et euh, bon, on va pouvoir baisser aussi sa taille. On peut peut-être se mettre en 45 ou même en 35. Voilà. Ah, c'est mieux. Voilà, euh, bon, je vais simuler du faux texte, hein, puisque euh, c'est un tuto. Alors pour simuler du faux texte, on clique sur texte, coller du Lorem Ipsum. Donc, là, ça va nous en coller plein. On fait commande A, et là, on vient gérer l'interlignage. Au niveau de l'interlignage, on peut peut-être ici réduire, hein, se mettre euh, en 50. Là vous voyez qu'il nous en colle quand même pas mal là, du Lorem. Donc à la limite on va venir en supprimer un petit peu. Ici je vais laisser je vais laisser deux lignes. Hop un petit coup de touche-retour. Et là je vais laisser. Euh, aller, euh... peu près ça comme ligne ça vous laisse euh, bah de quoi vous euh, vous présenter en quelques lignes voilà et là la petite puce elle va venir euh, elle m'embête donc je vais la descendre un peu plus bas peut-être peut supprimer notre ligne même faire une un coup de touche entrée pour euh, un saut de ligne et là on va pouvoir taper par exemple, langue parlée. Donc là, si vous parlez l'anglais, l'espagnol et tout, n'hésitez pas à vous sélectionner. On va cliquer sur le double T ici dans les caractères pour mettre tout ça en capital. On peut peut-être utiliser aussi une graisse un peu plus importante, se mettre en bold. Et là on va venir réduire un petit peu notre sélection de texte. Et dans les fichiers sources, là j'ai je vous ai mis des flags. Donc vous pouvez venir les sélectionner tous les quatre et les importer. Donc je crois qu'elles étaient de tailles différentes. C'est pas très grave. À la limite, le flag gère et le circle France. On va venir faire un coup de CTRL T sur les deux. Et on va venir les réduire un petit peu. essayer de se mettre à 120 ou à 100 même je pense voilà 100 c'est pas mal on va venir les positionner par là le France on va venir le positionner tout à gauche lui on vient le coller le flag UK vous voyez qu'il y a une euh, si je le mets sur du euh, une couleur plus foncée il y a un petit euh, background donc ce qu'on peut venir faire, c'est prendre l'outil ellipse, appuyer sur Shift, comme ceci, hop, faire une sélection. N'hésitez pas à mordre un petit peu dans la matière. Et là on va venir intervertir la sélection en faisant Command Shift et I ou CTRL-Shift et I et on appuie sur la touche retour. Et vu que c'est un calque dynamique, on va devoir le pixeliser. Donc clic droit pixeliser. Et là on appuie sur la touche retour. Voilà. Donc je sais qu'il doit faire 100. Donc. Je fais un coup de CTRL T ou de Commande T, j'appuie sur SHIFT, je prends un angle et je me positionne à 100, à 100 pixels au niveau de la largeur. Et je vais faire pareil avec le flag Spanish. Je, je vérifie qu'ici, ah, si. Là aussi il y a un petit... Euh, il y avait un petit fond. Donc je reprends mon outil ellipse, j'appuie sur Shift pour faire un cercle parfait. Voilà, je mords dans la matière, clic droit, pixeliser le calque, commande Shift et I pour intervertir et j'appuie sur la touche supprimer. Voilà. Ou la touche retour hein, qui se trouve au-dessus au de la touche Entrée. Commande T ou CTRL T, j'appuie sur SHIFT, je prends un angle et je me positionne à 100 pixels. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Voilà. Donc là, on va bouger le calque le flagger, le flag spanish et le flag uk. Donc on sélectionne tout en appuyant sur commande et on clique hein, au niveau des calques et là on va venir les bouger de 1 2 3 4 5 6 7 8 euh, ou 5 de 5 coups de flèche directionnelle vers la droite. Maintenant, on peut désélectionner le flagger en appuyant sur commande et on clique. Et là, on donne 5 coups. 1, 2, 3, 4, 5. On désélectionne le flag cas et le, le calque spanish. Il n'était pas forcément bien collé d'ailleurs. N'hésitez pas à zoomer d'ailleurs. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. À peu près. Et euh, voilà, ça me paraît pas mal. Donc, ces 4 euh, drapeaux, on va venir les remonter, les sectionner on les remonte à coups de flèche directionnelle. On les positionne à peu près comme ceci. Donc voilà pour le, la partie à propos. Donc on peut créer un nouveau dossier en cliquant juste sur cette icône et on va l'appeler à propos. On va venir insérer tous nos calques sauf le calque puce hein, à l'intérieur. D'ailleurs, si on l'allume et qu'on l'éteint, vous voyez, ça disparaît. Donc là, au moins, c'est réglé pour le à-propos. Maintenant, on va pouvoir euh, créer une zone de compétences. Donc, par exemple, si euh, ben, vous utilisez Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, etc., on va faire une petite euh, barre de skill. Vous allez voir que c'est assez simple. Là, c'est parfait. On a, on a notre petite puce. On va pouvoir peut-être euh, la diminuer. Je vais vérifier l'ICO Info, combien elle fait. On a 80 à peu près. Donc du coup, notre puce, on se remet dessus, un petit coup de CTRL-T, et on va venir la réduire à 80. Voilà. On vient se positionner dans le dossier source, et là, on va utiliser la 14165. On la fait glisser directement dans Photoshop, on fait OK. On double-clique dessus, incrustation de couleur, on clique sur sa couleur et avec la pipette, on vient cibler la couleur noire ici et on vient se positionner. Dans la puce, on peut peut-être la réduire un petit peu. Là, je vois 62. N'hésitez pas à zoomer. On peut peut-être la réduire à 55. Ça me paraît mieux. Allez, on est à 55, ça me paraît pas mal. On va venir créer du coup un nouveau dossier. Là, on va l'appeler compétence. Compétence. Et on vient glisser donc notre puce et notre petite couronne à l'intérieur. Voilà. Je vais juste vérifier qu'on est bon. Ouais, là, on est bon. Ok. On vient remonter tout ça, on peut réafficher les repères. Le... À propos, ici, on peut venir le dupliquer en faisant Command J le glisser dans les compétences. On appuie sur Shift et on descend, vous voyez, pour bah, rester droit hein, par rapport à à propos. On double-clique dessus et on va venir taper Compétences. D'ailleurs, on peut faire un coup de contrôle A et changer sa, ju sa justif et le justifier à gauche. Voilà. Donc on essaye de bien se repositionner par rapport à, à propos. N'hésitez pas, hein, sinon, à zoomer hein, si vous êtes un petit peu pointilleux et placer un repère comme ceci et redécaler compétences sur ce repère. OK. On va pouvoir on peut prendre l'outil texte, cliquer n'importe où et là on va venir ben, tout simplement énumérer les logiciels hein, euh, que l'on connaît. Donc on va pouvoir taper Adobe, on va se mettre en roboto d'ailleurs. En roboto on se met en régular. Au niveau de la police de la taille on se met en 45. Et on vient taper Adobe Photoshop, on sélectionne tout ça et on se place en blanc. On fait OK. On vient se caler par rapport au repère ici. Voilà, donc là on est à peu près bien, on a 66, 65 de blanc entre compétences et euh, entre euh, compétences et Adobe Photoshop. Et on va venir maintenant créer notre première barre de skill. Pour ce faire, on vient prendre notre outil rectangle arrondi. Et on va venir créer un rectangle d'une largeur de 800. Puisque, euh, même pas de 800, on va se mettre en. On a mis 150, si je ne dis pas de bêtises. Je ne me rappelle plus. Non, on est en 120, 115. Ok. Donc on prend notre outil rectangle, on clique n'importe où. Donc on est à 115 plus 115, ça fait 230. 800 moins 230, ça nous fait 770. On se met en 770 de large. Au niveau de la hauteur, on peut essayer de se mettre à 20 pour voir. Ça me paraît pas mal, 20. Euh, J'ai dit carrément une bêtise. Dit 770, c'est plutôt 570. Voilà. C'est lundi, hein. veuillez me pardonner. Au niveau de la largeur, on peut peut-être l'augmenter un petit peu. Voilà, 575, ça me paraît pas mal. Donc on se positionne comme ceci. Et là, on va venir la dupliquer. En faisant. Donc on peut peut-être la renommer. En barre. Euh, ou dessous. Dessous barre, on va l'appeler. On va venir double-cliquer dessus, prendre la pipette. Là, on cible la couleur la plus foncée. Et on vient descendre un petit peu, vous voyez votre curseur, pour euh, bah, lui donner une couleur un petit peu plus foncée. Et on fait OK. Donc là, on n'est pas trop mal. On aurait peut-être pu se mettre tiens, en 25 au niveau de la hauteur. Voilà. On va venir la dupliquer en faisant Command J. Et on va venir. Double-cliquer dessus et on va lui donner une couleur bleue, hein, puisque Photoshop, généralement, hein, on est dans le bleu au niveau de l'icône et on fait OK. Donc là, euh, j'ai pris un peu n'importe quoi. Donc là, vous pouvez vous mettre en 2EA0E4, faire OK et vous pouvez venir réduire la largeur. Après, ça dépend hein, de votre compétence. Là, on va dire qu'on n'est pas trop mauvais sur Photoshop, donc on va se mettre euh, en 525. Voilà. Donc là, ça réduit automatiquement. Sinon, vous faites un coup de Ctrl T ou de Commande T hein, et vous le faites à la main. À vous de voir. Donc voilà, pour les skills de Photoshop. On va pouvoir peut-être remonter tout ça un petit peu plus. Comme ceci. On va venir dupliquer Adobe Photoshop de sous-bar et de sous barre copie. On appuie sur Alt et Shift pour dupliquer et rester droit. Donc, on peut euh, peut-être réduire ou se mettre en 66 un peu partout au niveau des blancs, des interlignages, ça me paraît pas trop mal. Euh, là, on va peut-être changer on va se mettre en Adobe Illustrator. Voilà. Au niveau du dessous-barre. Copie 2, on le laisse et du dessous bar, l'autre dessous bar, copie 2, on peut peut-être double cliquer dessus et mettre une sorte de jaune orangé hein, qui est la couleur d'illustrator. Donc là, je viens de mettre ebaf2d, je valide. Donc là, on peut dire par exemple qu'on est peut-être un peu moins fort sur Illustrator, donc on vient réduire à 500 ou euh, allez, on va se met à 450 hein, pour l'exemple. N'hésitez pas à donner des coups de tronc de contrôle H, dézoomer un petit peu pour voir si tout est aéré. Donc là, ça me paraît bien. Au pire des cas, on pourra réajuster ça après. Donc là, on peut peut-être renommer de euh, bar PS pour Photoshop. Ici, bar AI pour Illustrator. On reduplique barre AI, dessous bar copie 2 et Adobe Illustrator. Alt Shift, un petit coup de CTRL H. Voilà, donc là, je remets à 66. Vous pouvez réduire, bien sûr, en interlignage si ça vous convient pas. Et je vais me mettre en Adobe Dream Voilà. Le dessous barre AI. Copie, je le renomme en DW pour Dreamweaver. Je double-clique et généralement hein, c'est du, euh, du vert euh, vert jaune un peu. Bon, J'ai pas trop la, la couleur en tête en fait. Peut-être plutôt comme ça. Là on va se mettre en 4CC 10D. On fait OK. Et on va terminer par exemple sur du After Effects. Donc on reduplique tout ça. Alt Shift. On se remet à 66. On relâche. On renomme en barre AE hein, pour After Effects. Et du coup, on double-clique. Et là, on est plus dans du euh, violacé hein, pour After Effects. Voilà, on va se mettre à peu près comme ça. Donc en 83, 21, C2, on fait OK. On a oublié ici euh, dans la barre de barre DW, de euh, changer le curseur. Donc là on peut peut-être euh, se mettre à 400. Voilà. Et on va dire que sur du AE, on est un peu meilleur. On va se mettre en 415. Euh, en 515, pardon. Voilà. Voilà pour nos barres de skills. Donc du coup, la barre, la, le dossier compétences, on peut cliquer sur la petite flèche. Voilà, donc là c'est pas mal. Ce qui va nous rester maintenant, c'est bah, d'ajouter vos euh, vos contacts. Donc euh, on va pouvoir, hop, recliquer sur la petite flèche d'à propos, peut-être réouvrir si les compétences. Et euh, on va venir dupliquer plus. Et puis compétences. On appuie sur Alt. On descend tout ça. Et on va venir... Peut-être mettre ça tout au premier plan. Dans un premier temps. Voilà. On va venir recréer un dossier qu'on va appeler contact. Et du coup, on va glisser tout ça dans Contact. Soyons organisés un petit peu. Voilà. Et le Compétence, on va venir renommer tout ça en Contact. Donc là, on est pas mal. On peut reprendre, du coup, une petite icône dans notre dossier source. Par exemple, la 23-924. On la glisse. Et là, bah, du coup, on va la réduire. Vous vous rappelez, cette devait être, euh, Je ne me rappelle plus. 75 Ça me paraît gros. Peut-être plutôt 55. Alors, quand on a des doutes, on se replace sur une puce. CTRL-Clique dessus. Commande-Shift-C pour copier avec fusion. Commande-N. Là en largeur, on est à 55, donc c'était ça, 55. Je l'aurais bien réduit peut-être un petit peu plus. Bon, je vais me mettre en 48. Du coup, je double-clique dessus, incrustation de couleur, et je cible la couleur ici, la plus foncée. Le contact, on peut peut-être. Hop. le descendre un peu plus voilà bon, c'est pas trop trop mal peut-être le descendre un... chouille encore plus ok donc là bah, vous pouvez mettre par exemple votre adresse votre euh, votre mail et puis votre numéro de téléphone ici euh, après au niveau des petites puces ben bah, à vous de voir si vous voulez en mettre d'autres généralement ce que je fais c'est que bah, j'ouvre mon navigateur et je tape flat icon flat icon et euh, on arrive donc sur le site de flat icon et on a ici un moteur de recherche donc par exemple vous pouvez euh, taper map et là vous allez voir un petit euh, une petite icône ça peut être sympa je vous l'ai pas mis donc comme ça ça va vous obliger à aller sur le site et ce que je fais c'est que je clique dessus et je la glisse après dans mon dossier image. Voilà. Donc on va faire des puces supplémentaires. Donc ici ma puce copie commande J. Je vais l'appeler euh, puce mini. Et je vais lui mets une autre couleur. Je vais mettre en jaune. Hop, je remonte tout ça. Je... La descend un petit peu et je vais faire un coup de CTRL T ou de Commande T, je vais la réduire à 50 pixels ou même à 60. Hop voilà. On se repositionne sur le repère. Donc là on peut peut-être descendre un petit peu plus. Voilà. Et bah, l'icône que l'on vient de copier, comme d'hab, on la glisse, on la réduit. Donc là, on peut peut-être la réduire à 40. Et on la positionne ici au niveau donc, de la puce. On double-clique dessus, incrustation de couleur. Et on lui met la couleur ici, la plus foncée. Et on fait OK. On reprend notre outil texte. On clique n'importe où. Et on va venir taper 12 rue de la créativité, 35 000 rennes. Bien sûr, on met tout ça en roboto, en roboto régulier, et on se met à 45, c'est même 35, je ne sais plus. Ouais. Là. On a 45, là on peut se mettre du coup en 35. Au niveau de l'interlignage, on va se mettre à 50. Et au niveau de la couleur, on va se mettre en blanc. Voilà pour notre adresse. Ouais, on peut se caler aussi par rapport à notre repère. Parfait. Et euh, bah là on peut mettre par exemple notre site web. Donc dans le moteur de recherche ici, si on tape web, est-ce qu'on aura une petite icône ou earth pour la terre. Très bien, on va utiliser celle-là, on va la glisser donc au pire des cas si vous galérez à trouver les, euh, les icônes, vous les aurez ici dans le dossier source. Hein. Euh, donc je la positionne ici, je vais la réduire à 40. Même à 50, je vais voir ce que ça donne. Ça va être pas mal. Donc je la mets de côté ici. Je vais redupliquer ma puce mini, commande J. J'appuie sur Shift et je la descends. La Terre, je viens la placer au milieu donc j'aurais peut-être pu euh, la réduire un... voilà réduire un chouïa voilà ça me paraît pas mal on double clique dessus incrustation de couleurs on sélectionne la couleur du fond le 12 rue de la créativité on va venir appuyer sur alt et shift pour rester droit on essaye de bien se positionner à peu près comme ceci et bah ben là on peut mettre notre site web www.collectif-timate.com. Entrée, touche retour, on peut se mettre un petit mail d'un lien en base collectif-timate.com. Donc là, au niveau du, des informations euh, de, de, fin, du téléphonique on va être obligé de réduire un petit peu... L'espace les, euh, qu'il y a au niveau des, des barres de skill pour gagner de la place, donc on peut faire un clic droit ici sur Adobe Photoshop, sélectionner son calque et le bar PS et le dessous barre, on va le, les remonter au niveau du A de Adobe et on va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, euh, 9, 10, 10 coups de barre, des coups de flèche directionnelle et on va faire pareil du coup avec la barre AI. On remonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La barre Dreamweather, on va faire pareil. On remonte, on appuie sur Shift hein, pour remonter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la barre AE, on va faire pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si bien que maintenant, le Adobe Illustrator plus les deux barres, on va venir les remonter et on donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Allez, 15 coups de flèche directionnelle. On fait pareil avec le Dreamweaver. On remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Pour aller à 15. Et on va faire pareil avec le. Ici, d'ailleurs, j'ai oublié de changer. On va mettre After Effects. Et les. Deux barres, on les remonte et on donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, 15 coups, à peu près. Si bien que vous voyez que si on reclique sur contact, ou même qu'on reclique sur le dossier contact, là, on va pouvoir le remonter un petit peu, comme ceci. Et ce qui va nous permettre de, euh, de créer une troisième ligne ici. Donc, on peut venir récupérer une puce mini. Hop, on appuie sur Shift pour la dupliquer, Alt et Shift pour la dupliquer et rester droit. Et ici on va venir donc récupérer une autre icône, par exemple si on tape mobile. Voilà, on va prendre par exemple cette icône. On va venir la glisser directement dans notre dossier image. OK et on va venir la reglisser ici. Donc on va venir la réduire un petit peu, n'hésitez pas à zoomer. Ok, Donc là je pense qu'on est bien. On double-clique dessus, incrustation de couleur. On vient récupérer la couleur du fond et on va pouvoir venir dupliquer notre adresse, enfin notre mail et notre site web. Et bah là on va venir taper tel. Donc vous mettez par exemple votre fixe. Hein, 02. Je mets n'importe quoi, n'essayez pas de m'appeler. Et au niveau du mobile, on va faire pareil. 06 50 12 12 52. Voilà. N'hésitez pas d'enregistrer puisqu'on l'a pas du tout fait. Donc du coup... Enregistrer ça à la racine ici du dossier source et je vais l'appeler CV. Voilà. Donc voilà pour notre euh, barre de gauche ici. Maintenant, à vous de Tac, donner des petits coups en fait sur les dossiers. Donc là, où vous voyez le contact carrément sur le dossier pour le remonter un petit peu. Le à propos ici, enfin, le dossier du coup à propos peut-être leur remonter aussi un chouïa et le compétence qui se trouve en dessous pareil hein, le remonter un chouïa et enregistrer donc bah voilà pour euh, cette colonne maintenant on va pouvoir s'attaquer ben, aux expériences professionnelles et aux formations donc euh, là il y aura plus euh, ça va aller vite hein, puisqu'on fera du, du copier-coller on va essayer de faire un gabarit assez simple donc du coup on peut masquer la sidebar et recliquer ici pour créer un nouveau dossier. Et on va l'appeler contenu. Donc, on peut se placer dans notre dossier contenu, prendre l'outil texte, cliquer n'importe où et taper expérience professionnelle. On sélectionne tout ça. Oh, on sent, sent c'est pas mal, hein, je pense, au niveau de, de la taille de, de la police. On peut appuyer sur commande H aussi et euh, lui redonner ici une marge de 115 pour pas que ça soit non plus trop collé à notre colonne. Oups. Je recommence, voilà. Expérience professionnelle, on peut venir se caler à peu près à peu près ici ou un peu plus bas. On va venir rajouter une icône. On va venir sélectionner Elle est où cette icône Elle est là. La 46-774. Hop, on vient la positionner ici. Et euh, bah, à la limite, on va créer ici une nouvelle puce. Donc on peut reprendre notre outil ellipse. Et créer une puce de. On va essayer de mettre 150 par 150 pour voir. Peut-être un peu gros. On va se mettre en 130 par 130. Ça me paraît un peu mieux. Donc du coup, l'expérience professionnelle, on peut le décaler. On peut se repositionner ici, par exemple, faire lui donner une marge de allez, de 100. Donc on fait un rectangle de 100, on prend un repère, hop, on lui met une marge de 100 et du coup, on peut venir le redécaler un petit peu plus vers la gauche. On regarde, c'est peut-être un peu trop 100. Allez, on essaie de faire à peu près la moitié. Hop, et on recale. Ouais, ça me paraît mieux. Du coup, notre. Euh, là, on va l'appeler puce. On se remet en rouge, par exemple, hein, pour lui donner une couleur. Notre icône, un petit coup de CTRL-T. On va réduire tout ça. On va essayer de se mettre en 100. On double-clique dessus. Incrustation de couleur. On vient prendre une couleur blanche. Et on va venir. Déjà la mettre en premier plan pour que ça passe par-dessus. On aura peut-être pu la réduire encore un peu plus. Vous mettez à peu près 85. Et voilà. Donc bien sûr, si l'icône ne vous convient pas, euh, retournez sur le site et puis choisissez un, vous pouvez en choisir une autre. Donc au niveau de, des expériences, on va essayer de faire une petite frise aussi. Donc pour ce faire, on reprend, enfin on va redupliquer plus en faisant commande J. On va mettre ça en vert, puisque là, ça va nous servir de puce pour créer notre frise. Et on va se mettre à peu près en 75 pixels. Voilà. Et on valide. Et on essaie de se centrer à peu près par rapport au, euh, au cercle ici de la puce du haut. On double-clique dessus. On sélectionne le vert ici le plus clair. On vient prendre notre outil texte, et puis là on va venir taper n'importe où le poste qu'on occupe actuellement. Donc là on peut se changer peut-être notre fonte, hein, se mettre en roboto black. On clique sur les w T, histoire euh, ben de, de se mettre en capital, comme ça. L'œil se portera un peu plus sur l'intitulé le, sur le, des, des postes. Au niveau du... De la taille, c'est peut-être un peu gros ici. On va essayer de se mettre en 60. 60. 60. <laughs> ok. Bon, je retape designer double T pour se mettre en capital. Graphique. On peut taper web. Et print. Commande H. On essaye de se positionner par rapport à notre père ici. On essaye de se centrer par rapport au cercle vert. Voilà. Bon, ça me paraît pas trop mal. En dessous, tac. On va pouvoir taper collectif email. Donc là, on va mettre le nom de, de son entreprise. Par contre. Ah, C'est un, un petit peu trop gros, on va essayer de faire un truc un peu plus soft. Donc on peut rester en Roboto, se mettre à peu près en 35 au niveau de là, comment on... la taille de la police. Au niveau de la couleur, là on peut peut-être utiliser un... un bleu un peu plus clair ou un gris même. On va essayer de se mettre en 7, 7, 7 et euh, on va essayer de plutôt se mettre en régular ou en light ou régular ça va ça l'air pas, pas trop mal on va se mettre en régular voilà donc là on va venir utiliser notre autre icône on va utiliser la 48780 on peut la glisser réduire un petit peu tout ça on va essayer de se mettre à 50 on se positionne à peu près ici. Déjà, on, on aurait peut-être pu euh, gérer l'interlignage ici. Là, on est à 80. Écoutez, on va se laisser en 80. Ça me paraît pas trop mal en fait. Hop, on essaie de se positionner comme ceci. On va donner des petits coups d'espace avant le C de, de collectif. Voilà. Donc, notre puce... On peut la remonter un peu et puis hein, on va faire une incrustation de couleur. On va se mettre également 777. 7, 7. Voilà. OK, maintenant, on va pouvoir donc, donner des petits coups d'espace. Encore, on va utiliser notre puce. Donc on a une puce horloge qu'on peut insérer ici et on va la réduire. On va la mettre à 50 également. 50-51. On double-clique, incrustation de couleur, on se remet en 777. On fait OK. On essaye de l'espacer, hein, de, de collectif teammate. Et on se replace ici. Donc, on avait donné des petits coups d'espace, c'est parfait. Et là, on peut donner la durée donc par exemple on peut mettre ici depuis on va se mettre janvier 2010 on va voir ce que ça donne ça me paraît bien et en dessous on va pouvoir prendre notre outil texte et d'ailleurs on va plutôt prendre notre outil de sélection on va refaire une marge ici à 115 à peu près Voilà, on reprend notre outil texte. Et là, on fait une sélection à peu près comme ceci. À l'intérieur, on va venir coller du Lorem Ipsum, donc texte coller du Lorem Ipsum. Donc bien sûr, ici, c'est là que vous allez insérer un petit peu ben, le descriptif de, de votre poste. On va se remettre euh, 35, ça me paraît pas mal, mais on va enlever le double T. Au niveau de l'interlignage, on peut peut-être se mettre en 60. Là, il m'en colle vraiment beaucoup à chaque fois. On va laisser aller euh, trois lignes. Hop. On peut remonter tout ça. Et du coup, ça aussi, on peut le remonter un petit peu. On regarde ce que ça donne. Ça me paraît très bien. Donc, euh, au niveau du dossier contenu, on va recréer un nouveau dossier. Et on va l'appeler exp1. Pour expérience 1, vous le, le nommez comme vous le souhaitez. Et à l'intérieur, on va venir insérer bah, tout ce qu'on a créé, sauf plus copie 2, plus expérience professionnelle. Voilà. Si bien que ce dossier, on peut appuyer sur Alt et Shift. Je crois que j'ai dû mettre une puce. Ouais, celle-là, on va venir la remettre en dessous. Voilà. Donc, vous mettez que le texte, la puce 48780 et la, la 48306, et puis le titre. Donc. On duplique tout ça, on appuie sur Alt et Shift, à peu près comme ceci, pour euh, tout simplement hein, euh, mettre un deuxième intitulé de poste. Donc ici, par exemple, on peut mettre Graphiste multimédia. Après, vous mettez le nom de l'agence, hein, et puis euh, au niveau de la date, on peut marquer euh, n'importe quoi. Hein. Euh, janvier euh, 2008 décembre 2009 au pif voilà je vais redupliquer dupliquer l'ex copie 1 ok je redescends un petit peu, comme ceci, on a 104-104. Ici, je modifie tout ça, je vais marquer intégrateur web, puis euh, pourquoi pas SEO. Vous remettez le nom de votre entreprise. Vous remettez la date. Hein. Allez, on va mettre janvier 2006 jusqu'à octobre 2009. On peut dézoomer pour voir ce que ça donne. C'est pas mal. Ça nous laisse maintenant la place pour insérer ben, nos formations professionnelles. Vous pouvez rajouter aussi, si vous le souhaitez, un petit trait. Donc, à la limite, toutes les expériences, on peut peut-être les descendre un petit peu. Voilà. Au niveau d'expérience professionnelle, on peut rajouter. Un petit coup d'outil trait on appuie sur shift pour rester droit là donc au niveau de la couleur on est euh, en, en, en noir en, en bleu nuit on va dire si c'est trop violent bah n'hésitez pas à baisser un peu l'opacité vous mettez à 50 et voilà peut-être euh, baisser ça un petit peu plus ok voilà, je pense que c'est pas trop trop mal. Clic droit sur la puce verte pour la sélectionner, on va venir la descendre un petit peu plus et on va donner on va la dupliquer donc deux fois. Voilà. On va prendre notre outil rectangle et là on va faire un, un rectangle comme ceci d'à peu près euh... On va essayer de se mettre en 7 de large, voir ce que ça donne, ou en 8. Peut-être qu'en 8 on, on serait, on est un petit peu mieux, c'est un peu plus gras. Et voilà, voilà pour notre frise. Donc le... on va recréer un dossier, hein, on va l'appeler frise. Et à l'intérieur, on va mettre nos rectangles nos puces. Voilà, pour dupliquer ça facilement après. On va pouvoir dupliquer puces et expérience professionnelle. Plus... Je qu'on avait un outil. On avait un trait. Où est-ce qu'on l'a mis notre trait On l'a mal rangé, c'est de ma faute. Forme 1. Ah non, il est là, pardon. C'est moi qui dis des bêtises. Hop, je l'appelle trait et je vais le mettre d'une autre couleur, en violet. Donc, le trait, on le duplique, l'expérience, on le duplique et notre puce aussi, on la duplique. Donc, on le sélectionne tous les trois, on appuie sur Alt et Shift pour rester droit. Hein, on peut donner un petit, euh, un petit espacement hein, ici, un peu plus conséquent qu'entre euh, les, les intitulés des postes. Et on va venir récupérer dans le dossier source une icône, la 62 627. Hop, un petit chapeau d'étudiant. Et on va venir la réduire un petit peu. On double-clique, incrustation de couleur, on se met en blanc. Voilà, puis on essaye de la recentrer. Donc n'hésitez pas à la réduire un petit peu si vous trouvez que c'est trop gros. Voilà. Du coup, l'expérience le professionnelle, on va le modifier en formation professionnelle. Et l'intérêt d'avoir euh, fait des groupes, bah, vous voyez, le freeze et, et même les quatre autres dossiers, on va pouvoir. Quoique, non, on va prendre le freeze et expérience 1. On va appuyer sur Alt et Shift pour les dupliquer. Peut-être peut les descendre un petit peu. Voilà. On n'est pas trop mal. Et maintenant, bah, il suffit de changer bah, l'intitulé ici du poste. Donc là, par exemple, je vais mettre graphiste. multimédia on peut changer bah, ici le nom de, de l'école hein. là vous pouvez changer ici aussi hein. on peut mettre euh, je sais pas septembre 2002 juin 2005 hein. voilà et du coup bah, vous faites pareil hein. Un petit, euh, une petite description de, de votre école, ce que vous avez fait euh, au sein de l'école, et vous avez plus qu'à dupliquer après. Je vais pas mettre expérience 1 ici, on va mettre forme 1. Vous avez plus qu'à dupliquer après votre dossier, comme ceci. Changer l'intitulé, par exemple, moi j'ai fait un bac. Professionnel, industrie, graphique, pile poil. Et euh, je vais redupliquer, forme un copie. Le remonter un peu et ici je vais mettre BEP industrie graphique donc voilà après encore une fois hein, si euh, vous avez trop d'interlignage bah, n'hésitez pas à tout remonter donc là à limite ce que vous pouvez faire même c'est tout le contenu c'est le remonter un tout petit peu Voilà, voilà. donc après vous pouvez gérer, comme je vous disais, les, euh, la taille, euh, la taille des, des, des titres et des, des blocs euh, texte ici. Hein. Les réduire pour mettre plus d'expérience si vous en avez, et plus de formation aussi. Là on s'est limité à 6 en tout, hein, enfin 3 et 3. Normalement là vous avez toute la hauteur du, euh, de la feuille A4 pour euh, blinder d'expérience de, et, et de formation. Donc, euh, donc bah, voilà, le tuto se termine, j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser, soit dans les commentaires, soit par mail à damienrobasteemate.fr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook, hein, comme ça vous serez tenu informé des nouveaux tutos. Et je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.